Bonjour à tous les amis et bienvenue. Donc c'est Avan Black. J'essaye de parler doucement parce que ça y est, j'ai enfin augmenté le micro. Ça fait que vous allez pouvoir m'entendre comme il faut, comparé à la vidéo d'hier où le logiciel, en fait, comme il était sur mon ancien disque, il n'a pas pris en compte les changements en fait que j'ai fait sur l'ancien PC. Le nouveau en fait prend pas en compte ce que j'ai fait sur l'ancien. C'est super. Donc obligé de retélécharger le logiciel sur le nouveau PC, enfin sur un des nouveaux disques durs. Voilà, comme ça il fait pas de caprice. En l'occurrence j'ai mis sur le SSD. Hein. Voilà. Par contre, la caméra, elle a un petit souci, c'est que elle met tout penché. Regardez, ça fait que je devrais être là pour être droit. Ça fait un peu bizarre. On dirait que ma tête est penchée et que j'ai un souci de mâchoire. Vous voyez, en fait c'est la cam qui fait ça. Ouais. J'ai tourné un peu l'écran, ça a l'air d'être mieux. Donc là, on est sur observation et je tourne la vidéo en 1440p. Donc une nouveauté, voilà que j'ai voulu absolument le faire pour ce jeu. Et en 1440p, il est gourmand, mais pas trop. On est aux alentours de 70-85 FPS. Voilà, en même temps de filmer, parce que sans filmer, en fait. Sans record, je suis à plus, je suis à 90. Voilà. Là, c'est parce que je record, c'est descendu à 85, 70. C'est dans ces eaux-là, quoi. Et en jeu, voilà. En jeu, on est à 75. 75, 80, quoi. Bon. Par contre, comme on est en 1440, la résolution, dites-moi si ça vous saoule vous allez avoir des bandes noires, je crois. Une en haut, une en bas. Dites-moi si ça vous saoule et que vous voulez que. Dites-moi si ça vous saoule, comme ça je repasserai la prochaine fois en 1080. Tant pis, voilà, j'aurai plus de FPS. Hein. Mais voilà. Si les bandes noires vous saoulent, ben, je repasse en 1080. Si vous voulez qu'on garde le 1440, ben, pas de souci. Par contre, je vais pas tenter à faire du 4K parce que. Ça va juste être pas possible du 4K pour jouer et en même temps à filmer. Je vais me retrouver avec 50 FPS. Ça va être très bas, quoi. En même temps, c'est ce que je me tapais sur l'ancien PC, vous allez me dire, mais voilà. J'ai pas envie de trop la faire transpirer, déjà que la carte graphique elle tourne des ventilateurs. Alors, utiliser le schéma en mode caméra. Et en plus la carte graphique elle transpire puisque je suis en. Mon écran est en 120 giga. 120 Hz, pardon. Je suis un puits des boutons. Utiliser le schéma en mode caméra. Mais attendez. J'espère qu'ils m'ont pas remis le truc que j'avais déjà fait là. Je sais pas trop. Données de carte manquante. Utiliser le schéma en mode caméra. T'en chiant avec ça. Please repeat your previous request. Get to the EFR in EAS1. If it's locked, you'll need a schematic to gain access. Ah, d'accord. Oui, donc je suis dans le mauvais, quoi. Le 01, où est-ce qu'il est? Ça se trouve, j'étais dans le bon chemin. Mais en fait, je vous l'ai fait la dernière vidéo. En fait, on s'était arrêté juste avant de faire l'énigme, vous savez, avec les espèces de rayons. En fait, je l'ai fait tout seul. Voilà. Je crois que j'avais pas filmé. Elle était assez simple. Fallait juste comprendre le fonctionnement. En fait, c'est ça le plus chiant dans ce jeu, c'est que on contrôle une putain de sphère. Donc, c'est pas l'idéal pour se diriger. Alors, on va utiliser la carte. Je suis dans le 5. Ah oui, le 01, c'était là. Ouais, je crois que c'est derrière cette porte. Hein. C'est derrière cette porte. Oh non! Non, pas ça! Non! Putain, je déteste ce truc. Ouvrir écoutille. L1. Eh mais attendez, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Je vais vous passer ça au pire. Ah!
Oh, enfin! I have no idea how that thing works. It was something Josh was working on. You're pretty much on your own, I'm afraid. Do what you can, just get it online. Good job. Thanks, Sam. The power's coming back on now. Il restait 3 secondes. I'm running low on oxygen, so let's get a move on. Et je m'étais arrêté là. Je sais pas si vous aviez vu la cinématique. Je crois pas. Sam. Sam, is that you making that noise? Sam, respond. Cut off the noise. Sam, it's happening again. What are you doing? I see it, Sam. Can you see it? It's... I can't explain it. I can feel it. C'est un jeu de mémoire. Ça. Ça nique les oreilles. Ouais, c'est, bah ça vous je l'avais fait tout seul la dernière fois. If you are doing this, but I need you to help me, Sam. I need to know what is going on. I need the crew. The power is back, but the hatch to Universal is still offline. I need you to find out what the problem is. Sam, give me a systems diagnostic.
Mais t'es arrêté ici. Je m'étais arrêté là et ça avait pas sauvegardé tout ce qu'il y avait avant. Hein. Waouh. Si j'avais su, j'aurais pas coupé comme ça. On va commencer par le 1 du coup. Pression normale, alimentation active. Là. Comment on fait le. L'espèce de vision, j'ai oublié. Ah, c'était ça. Module EAS-3. Hull contact points are unresponsive. They maybe took some stress during the spin. Okay, so the power is fine, but the hull connection points are misaligned. That we can fix. I can't get them open from here, but you should be able to reclamp the contact points from outside. Looks like you're going on your first spacewalk, Sam. Before you go outside, though, we need to update your sphere firmware to allow for exterior use. To upgrade, you'll have to scan the barcodes in EAS 11. Once you're fully updated, we'll get you outside. I'm granting you EVA permission now. The internal airlock hatch is now open. Ça marche. Ah, je suis dans le 9. Ah bah c'est juste à côté. Maintenant ça c'est le 10 apparemment. Ah bah attendez, on va faire ça. Activer via lien système. Alors. Sont où les codes barres? Elle m'a dit les codes barres. Ah c'est ça. Code HVC. Conférant à Sam le script mage. Doit être associé à un compilateur de script compatible. Et puis l'ordinateur. Il a besoin de 3. Y'a rien que ça quoi. Ah. Je crois que c'est ça. Lié donné. 3 fragments restants. Ah, ok. Great, that's you all set up. Okay, get those module clamps fixed, Sam. Ok, il a fait sa mage. Putain, on dirait le BIOS d'une carte mère. D'ailleurs, je l'ai mis à jour hier. Bon, on peut sortir du coup, c'est ça? Ben, on va se barrer alors. Pression inactive, ça se non scellé. Ah, on peut pas interagir. Ok. Et pourquoi tu veux pas ouvrir le sas extérieur? Je comprends pas. Ah, faire ça. Ah. The control panel where you can rearrange the clamps is on the outer hull of EAS-3. Oh bordel. Oh que c'est moche. C'est censé être une planète. Bon, on a les numéros, on peut pas se tromper. Ça fait flipper l'espace quand même. Hein. Parce qu'il y a trop d'espace. Straight down, Sam. Controls are at the bottom of the EAS arm. Ah, c'est le 2, je m'en rapproche. Le 3 doit pas être loin. À mon avis. Putain, par contre, leur station elle est grande. Hein. C'est pas une station de merde. Look for the controls on EAS-3. Oui, j'ai compris, madame. Laisse-moi juste le temps de le trouver, il est là. Oh merde. Erreur d'amarrage. Amarre serré, contact négatif. Initialiser amarre. What? Ah mais tu me laisses même pas le temps, mec.
C'est quoi leur mini-jeu là? Ah, ok. Wow. Faut être obéissant avec ce jeu. Très obéissant. Même truc. Allez, une dernière fois. Closer look at the damage you detected earlier on the station exterior. What can you see? C'était où? Je sais plus où c'était. Les dégâts. Bah ça doit se voir. Ah c'était pas ça là. Ça a l'air de s'en être pris plein la gueule ça. The solar arrays are showing evidence of torsion and stress. Whatever this station has gone through. The arrays had no chance. Take a closer look at the China and Russian arms. The damage to the top of them looked pretty severe. Ok, les bras russes et chinois. Ouf! Ah, ça doit être ça. Ouais, pourquoi ça devient noir? An unknown material is present at hull fracture points. That looks like what I found in EAS-4. What the hell is it? Bring the sphere back inside and meet me in EAS-3. Let's get this hatch open. I hope to God the others are okay. Okay. Par contre, je rentre par où, c'est ça le truc? En plus, je retrouve plus le 3. Le module 3, je le trouve plus. Ah, je crois qu'elle veut que je ramène la sonde où elle était, d'où je suis parti. Je suis parti du 9, moi. J'ai perdu les numéros. Ah, je suis sorti par là. Oh, j'ai retrouvé. Wow. Aïe, aïe, aïe. On va fermer ça, quand même. Pourquoi ça met niveau d'alimentation faible? Génial. On n'a plus de sphère, du coup on est obligé d'en prendre une autre. Inactif, sphère de connexion. Comment je fais du coup? Faut en trouver une autre en fait, je crois. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Ah, celle-là, tu parles? Oh non! Si c'est pas bon, faire chier ça. C'est à chaque fois la même chose en plus. Je le connais par cœur à force. Ok, that's it open. Here we go. Here, let me. Pas d'impact. J'étais déchargé, mais je le serai plus. May. Stas. Where the hell is everyone? Ouais, je sens que ça va être la merde. Jim.
me le dire. Josh. Are you there? Et là, je vais regarder. Oh. Dire qu'il était en stase. Ouais, j'arrête les blagues. Bon. That's your universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. Ça fait pas un peu trop? Hello, is someone there? May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma, oh my god, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet except... except Stas. He's dead, May. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions and we're slowly getting him back up to speed. Okay, I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Ah, d'accord. Très bien. On peut aller dans alerte de station, apparemment. Alerte en cours. Bouffe, refroidissement. Ah, déséquilibre thermique. Erreur TCS détectée. Danger pour l'équipage. Initialisation système détecté. Et échec d'initialisation. The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. I need those sensors working. Go get them online and I'll fix up the crew tracker from this end. 1-0, 1-0-3 et 1-0-6. On va aller à 1-0-1 d'abord. Oh, c'est le bordel là-dedans. Sensor 1 is online and receiving data. Good work. Enfantin. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, 03. On va le garder pour la fin. Je vais faire ça d'abord. J'ai l'impression d'être un technicien. Là. J'espère qu'il a un bon salaire parce que. Ah bah non. C'est une IA, il est pas payé. Ouais. Je crois que celui-là, il est caché. Ah, attendez. Fallait peut-être changer de caméra. Ah, il est là le machin. Putain. Pour faire la même chose, je parie. 3, 4, 2. Ouais. Bah c'est reparti, hein, comme on dit. Pareil. Ok. That sensor 2 online now as well. Nearly there.
C'est là qu'elle est la meuf apparemment. On va peut-être la voir, hein, sait-on jamais. Putain, faut faire ça pour tout quoi. Moi je cherche juste le cadre en bleu mais... Oh. On peut faire un schéma. Ah, schéma requis introuvable. Comme ça c'est clair. Je vois pas le cadran bleu. Hein. Ah, je sens que lui il va être chaud à trouver. Ça va être la merde. Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Il était bien caché. Hein. Foiré. Je pense qu'on aura bien avancé là. Hein. Boulot de technicien là. Ah, c'est les oranges cette fois. Ils sont durs à voir ceux-là. Voilà. Oh, c'est terminé. Il nous reste quoi? Il nous reste aller chercher la meuf, c'est-à-dire sa pote, et ça. Mais comme on doit arrêter, et ben ce sera dans la prochaine vidéo. Bon, j'aurais peut-être eu le temps de faire ça, quoique. Ça parle de quoi ça? The cameras in EAS 10 are failing to initialize. Disait en attendant. Right, I'll get that fixed for you now. Oula, qu'est-ce qu'on fout là? Ah, c'est où on était tout à l'heure, ouais. Enfin, non, c'est pas la même chose. Ah si, 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 c'est la même. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas lu du coup. Look at your station alert, Sam. Find out what is wrong and do your best to fix it whilst I get this tracker back online. D'accord, je me démerde. Merci, franchement. C'était échec d'initialisation d'une. Aide manuelle requise, autorisation manuelle requise. Ok. Ok. Bon. Liste de calibrage pour scaphandre EMU. The EVA suit belonging to Josh Ramon is in EAS 10. He didn't have it on. Maybe he had his flight suit on instead. Oh, Josh. Ou peut-être pas. Ah bah, je pense que c'est fini. J'ai plus le... Ok. Bon, bah, on va faire celle-là, du coup. The coolant network is reporting multiple errors. Recommend investigation. That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Le hub du réseau. Ouais, plein de trucs à faire ici. Ah bah elle est là. Elle fait joujou. Par contre elle m'a dit d'aller dans le hub du réseau mais je sais pas du tout où c'est. Lol. Donc bah on cherchera ça la prochaine fois. Bon, on verra ça la prochaine fois, madame. Donc, n'hésitez pas à me soutenir que vous avez aussi pas déjà fait. Dites-moi si vous avez kiffé que je filme en 1440p. Sinon, je peux repasser en 1080 si les bandes noires vous saoulent. Voilà. Si vous aimez pas trop ce format, vous me le dites et comme ça, je rejouerai en 1080. Voilà, c'était juste pour marquer le coup. Donc, et ben, avant tout dit pour le. Je vais essayer de faire la vidéo Skyrim cette semaine. Même si j'espère que ça va pas trop être compliqué puisque je dois réinstaller le jeu et vérifier que tous mes mods sont bien présents. Donc je peux pas vous garantir que elle sera bien là vendredi, mais je vais tout faire pour, vu que là j'ai 3 jours justement pour régler le problème. Donc c'est les gens. Ciao. Enfin 2 jours. Plus là.